Bonjour à tous. Voici la troisième et dernière partie sur la découverte du langage APL. Commençons par une énigme. Ces deux lignes de commande vont donner le même résultat, mais lequel Alors vous allez peut-être trouver si je vous donne cet indice. C'est la réponse à la grande question sur la vie, l'univers et le reste. Donc si vous avez lu le guide du voyageur galactique ou si vous avez vu le film qui porte le même nom, vous avez peut-être la réponse. Alors essayons de retrouver ce nombre. En regardant plus précisément la première ligne de commande. Alors, ce premier symbole, on l'a vu, il permet d'obtenir la chaîne contenant les chiffres de 0 jusqu'à 9. Le second symbole permet de trier. Donc, si je trie cette chaîne, il va regarder quelle est la place du 0 dans la chaîne, du 1 dans la chaîne, etc. Comme ici, les lettres sont en ordre croissant, le 0 va être à la première position, le 1 va être à la deuxième position jusqu'au 9 qui va être à la dixième position. Donc finalement toute cette partie, ce sont les chiffres de 1 jusqu'à 10. Ensuite, on a factoriel, donc qui va s'appliquer à chacun des éléments. Donc 1 factoriel, c'est 1, 2 factoriel, c'est 2, 3 factoriel, c'est 3 fois 2, 6, 4 factoriel, donc on multiplie par 4, ça fait 24, on multiplie par 5, par 6, etc., jusqu'au dixième, donc 10 factoriel. Le symbole suivant permet de transformer un vecteur numérique en son équivalent en chaîne de caractères. Par exemple, si on le fait avec 4, 5, 6, on aura la chaîne 4, espace 5, espace 6. Donc là, a priori, on ne voit pas la différence. Mais si on lui demande quelle est la taille de cet élément, il nous répond 5, puisqu'ici, on a 2, 3, 4, 5 caractères. Donc c'est bien une chaîne. Alors je vais en profiter pour afficher les valeurs des factoriels entre 1 et 10 et transformer tout ce vecteur en chaîne. Le dernier symbole permettra de trouver la taille de cette chaîne. Donc là vous allez me dire c'est la même chose que ρ. Alors pratiquement, si je demande la taille de bonjour, il me répond 7. Et si je le fais avec ce symbole, il me répond également 7. La différence, c'est lorsqu'on a une matrice. Donc par exemple, deux lignes, trois colonnes qui va être remplie avec des 9. Si j'utilise row, il va me renvoyer les dimensions 2 et 3, donc 2 lignes 3 colonnes. Mais si j'utilise l'autre symbole, il me renvoie 2 qui correspond à la hauteur de ma matrice. Donc il y a 2 lignes. Donc row donne la forme de la matrice alors que ce symbole donne le nombre de lignes de la matrice. Donc la question est combien il y a de caractères dans cette chaîne Donc là on peut mettre row ou ce symbole et on obtient 42. Donc la réponse est bien le nombre 42. Alors la deuxième version est plus amusante. On a ce symbole qui signifie un vecteur vide. Ce symbole-là, c'est quelle est la profondeur de l'élément qui est à droite, en sachant que la profondeur d'un nombre quelconque, c'est 0, et que la profondeur d'un vecteur, c'est 1. En particulier, la profondeur du vecteur vide, c'est 1. Le cercle qui est à côté représente pi ou les fonctions trigonométriques, donc sinus, cosinus, tangente, etc. Quand on l'utilise tout seul, suivi d'un vecteur, ça revient à faire pi fois les éléments du vecteur. Donc là, on a par exemple pi fois 0, pi fois 1, etc. Donc dans la formule, on va avoir pi fois 1, c'est-à-dire pi. Donc ici, on a pi. Ce symbole-là qu'on a vu, c'est pour l'exponentiel. Donc étoile suivie d'un nombre, ça veut dire e puissance ce nombre-là. Donc on arrive à e puissance pi, ce qui est à nouveau amusant puisqu'on considère que la plus belle formule de mathématiques, c'est celle-ci. Après, on a trouvé l'entier immédiatement supérieur à e puissance pi. Alors, que vaut exponentielle de pi C'est à peu près 23,14. Donc, l'entier qui est juste supérieur, c'est 24. Donc, ici, on a 24. On transforme maintenant ce 24 en chaîne. Celui-ci, on l'a vu dans la vidéo précédente, c'est pour inverser l'ordre d'une chaîne. Donc le 2,4 va se transformer en la chaîne 4,2. Et le dernier permet de transformer une chaîne en nombre. On fait l'inverse de celui-là et on obtiendra à nouveau 42. Alors passons à une opération importante qui est le produit extérieur. Donc on aura un terme à gauche, un terme à droite, rond, point et une certaine fonction. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien imaginons qu'à gauche, on ait un vecteur avec deux éléments, à droite un vecteur avec trois éléments. Il va regarder toutes les combinaisons possibles en le mettant sous la forme d'un tableau avec deux lignes, trois colonnes. Donc on va retrouver en ligne le 2 et le 3, donc à chaque fois 2, 3, en colonne le 4, le 5, le 6, et il va appliquer la fonction pour chacune des cases. Cette écriture-là signifie que dans le résultat final, donc il va être une matrice, à la IM ligne et à la JM colonne, eh bien la valeur qui sera ici, ça sera donc la IM composante de L, la JM composante de R, et on aura appliqué F. Alors par exemple, si on reprend l'exercice où on voulait savoir s'il y a autant de X que de O dans une chaîne, eh bien à gauche, on peut mettre X et O, donc, il y a deux caractères, donc on aura une matrice avec deux lignes. À droite, la chaîne, avec huit caractères, et donc on aura huit colonnes. Et si je prends par exemple la valeur qui est là, ça correspond au O, puisque là c'est la ligne des X, là c'est la ligne des O. Et cette colonne, c'est la troisième, donc ça correspond au O qui est là. Donc, est-ce que O appartient à O La réponse est oui. Et juste à côté, on a un X, donc la réponse est non. Vous voyez qu'ensuite, il suffirait de faire la somme des lignes. Donc ici, ça fait 4, là, ça fait 4. Donc ça, ça s'écrit simplement plus slash, donc la réduction. Et finalement, de regarder est-ce que les deux nombres sont égaux. Et ça, à nouveau, c'est une réduction en écrivant égal slash. Donc voilà comment on aurait pu écrire notre fonction. Alors, deuxième exemple d'application. J'ai un vecteur avec ici 5 valeurs. Si je fais le produit extérieur de v avec ce vecteur-là. En utilisant supérieur ou égal. Alors qu'est-ce que ça signifie Cette écriture-là, on l'a déjà vu, ça signifie qu'elle est le maximum de V. Donc par exemple ici, 8. Ensuite, il va nous construire les entiers qui vont de 1 jusqu'à 8, puisque là on se retrouve avec iOTA 8, donc 1, 2 jusqu'à 8. C'est pour ça qu'ici vous avez 8 colonnes. Donc on aura bien 5 lignes, puisqu'il y a 5 éléments dans V. On aura 8 colonnes puisque iota 8, il y a 8 éléments. Et qu'est-ce qu'il va faire dans chacune des cases C'est donc comparer V. Est-ce qu'il est plus grand que la valeur qui est là Donc par exemple celle-ci, on est à la deuxième ligne, donc il va comparer le 7 avec la deuxième colonne. Donc la deuxième colonne, ça sera le nombre 2. Est-ce que 7 est plus grand que 2 Oui. Plus grand que 3, 4, 5, donc jusqu'à 7. Est-ce que 7 est plus grand que 8 La réponse est non. Comme le 8 est à la quatrième ligne, donc le 8 il est à cette ligne là, on a forcément des 1 sur toute la rangée. Alors à quoi ça peut servir Eh bien par exemple à créer un petit histogramme. On reprend ici nos 0 ou nos 1. Si je rajoute 1 plus cette matrice, eh bien on aura des 2, 2 et ici des 1. Et ça permet d'aller piocher soit le premier élément, soit le deuxième élément d'une chaîne. Donc par exemple le premier, donc il va être égal à 2 une fois que j'aurai ajouté le 1 il va regarder le deuxième caractère. Donc ici, il va nous mettre ce petit carré. Pareil à côté, j'ai un 2, donc il met un petit carré. Et pour les autres, donc ils vont être à 1, il va prendre le premier caractère qui est un point, et donc il va compléter avec des points. Alors, exercice d'application, on vous donne des tailles, 1, 34 jusqu'à 8, et le but est d'obtenir le vecteur qui est en dessous, qui nous dit combien sont plus grands que moi. Donc, par exemple, si je regarde le 1, combien sont plus grands que 1 donc il y a celui-là, celui-là, jusqu'au 8, et donc j'en compte 5. Donc le 5 est là. Il y en a combien qui sont plus grands que 30 Aucun, puisque 30 c'est le plus grand. Et on fait comme ça pour les autres. Alors une solution qu'on aurait pu trouver à la vidéo précédente, c'est de partir de oméga, donc oméga c'est le terme qui est à droite de votre fonction, que l'on va mémoriser dans P, donc P ça va être exactement ce vecteur-là, et pour chaque élément du vecteur initial, donc le 1, le 30, etc. On va regarder, est-ce que ce nombre, donc le premier ça va être 1, est plus petit que la copie que j'ai faite, qui est 1, 30 jusqu'à 8. Donc ça, ça va me donner un vecteur logique. Est-ce que 1 est plus petit que 1 Non. Est-ce que 1 est plus petit que 30 Oui. Etc. Jusqu'à la fin où j'aurai un 1. Et je vais réduire ce vecteur logique en en faisant la somme. Donc il va me compter combien il y a de 1. Et là, on va obtenir 5. Et on recommence pour le oméga d'à côté, donc pour 30 est-ce que 30 est plus petit que le vecteur P, donc qui est toujours 1 jusqu'à 8 Et là, on n'aura que des zéros, et donc la somme fera 0. Donc là, on voit qu'il faut comparer 1 avec l'ensemble, 30 avec l'ensemble, etc. Donc ça fait penser au produit extérieur, où on aurait le 1, le 30, le 4 jusqu'au 8, que je dois comparer avec le 1, le 30 jusqu'au 8. Donc si on réécrit ça, mais cette fois-ci en utilisant le produit extérieur... Donc est-ce que oméga est plus petit que oméga, mais en faisant toutes les combinaisons possibles Donc en ligne, on aura tous les éléments du vecteur et les mêmes en colonne. Et ensuite, il va faire la comparaison. Est-ce que 1 est strictement plus petit que 1 Non. Est-ce que 1 est strictement plus petit que 30 Oui. Donc ça sera vrai jusqu'ici. Juste avant, on avait un 1, donc ça fait 0. Et ensuite un 1. Donc on voit qu'il ne reste plus qu'à faire les sommes des lignes pour obtenir ici un 5, un 0, 4 jusqu'à 2. Donc voilà une deuxième version beaucoup plus courte. Alors il est également possible d'écrire ces fonctions sans utiliser ni alpha ni oméga en mettant des parenthèses et en utilisant ce symbole-là pour récupérer ce qu'il y avait à droite. Donc j'insiste pas ici sur cette notation. Alors on a également le produit intérieur, donc il s'écrit f.g avec un élément à gauche, un élément à droite et qui signifie faire l -G -R et ensuite la réduction par f. Donc ça paraît un peu abstrait mais c'est quelque chose qu'on utilise souvent dans Excel qui s'appelle somme prod. Donc la somme des produits. Donc que fait cette fonction Elle va d'abord calculer les produits, donc ici 5 x 2, 3 x 4, 7 x 1 et ensuite elle en fera la somme. Eh bien l'équivalent en APL ça va être d'avoir le vecteur 5, 3, 7, 2, 4, 1, et de faire le produit intérieur plus point multiplié. Donc il va bien déjà faire la multiplication du vecteur qui est à gauche par le vecteur qui est à droite, donc terme à terme, c'est-à-dire 5 fois 2, 3 fois 4, 7 fois 1, et ensuite il fera la réduction par la somme. Et on aura bien la somme des produits. La différence avec Excel, c'est qu'en APL, on n'est pas limité par les symboles qu'on peut mettre ici. Alors, quelques exemples. Je vais appeler Data1 un tableau 6 lignes, 6 colonnes, où on va tirer au hasard des nombres entre 1 et 3. Et la même chose pour Data2, c'est-à-dire qu'on aura des matrices de ce type. Donc, si on veut multiplier une matrice par une autre matrice, on va à nouveau utiliser le plus point multiplié. Alors, ça ne va pas vous surprendre si vous savez le faire à la main. Par exemple, d'où vient le 25 Donc, je regarde la première colonne de data 2. Je regarde la première ligne de data 1. Donc, ça me donnera bien l'élément qui est ligne 1, colonne 1. Ensuite, on fait le produit terme à terme. Donc, exactement comme tout à l'heure avec les produits qui sont ici 2 x 1, 1 x 3, jusqu'à 2 x 3. Une fois qu'on a fait tous ces produits, on en fait la somme. Donc si vous faites 2 plus 3 plus 9 jusqu'à 6, ça fait le 25 qui est là. Et on fait la même chose pour les 35 autres cellules. Donc là, on a le produit matriciel. Alors essayons maintenant de comprendre ce que signifie ce produit intérieur où on a plus et égal. Par exemple, pourquoi on a un 5 ici Je suis à la ligne 3 et à la colonne 6. Donc je vais regarder la ligne 3 et la colonne 6. La première opération c'est l'égalité. Donc est-ce que ce terme-là est égal à celui-là Donc là la réponse est 1, c'est vrai. Est-ce que celui-là est égal à celui-là La réponse est non. Et ensuite, j'ai quatre fois les mêmes. Donc j'obtiens ce vecteur logique et la seconde étape, c'est de le réduire avec une somme. Donc quelle est la somme de ce vecteur C'est 5. Donc ce 5, c'est le nombre d'éléments qui sont à la même place. Dans ce vecteur horizontal et ce vecteur vertical. Alors en regardant rapidement, on pouvait imaginer que c'était quand est-ce que data1 est égal à data2 et je veux savoir combien il y en a. Donc combien il y a d'éléments placés au même endroit. Donc, par exemple ici il y a un 1, là il y a un 1, et compter tous ceux qui sont au même endroit. Alors pour faire ça, il faudrait utiliser cette écriture là. Data1 égal à data2, ça va être une matrice 6-6 où il va prendre les éléments 2 par 2. Donc est-ce que 1 est égal à 2 Non, donc il va mettre un 0. 3 est égal à 2 Non, donc un 0. 2 est égal à 2, c'est vrai. Et il complète toute la matrice. Ensuite, on veut compter le nombre de 1 dans ce tableau. Donc si on utilise plus slash pour faire une réduction, il va faire la réduction ligne par ligne. Donc pour le premier, par exemple, on voit qu'on a... 4 éléments communs donc on obtiendrait 4 pour le dernier il n'y a que le 2 en commun donc on obtiendrait 1 mais je n'aurai pas le total général donc une solution serait de rajouter encore un plus slash devant pour qu'il fasse la somme de ce nouveau vecteur une autre solution est d'utiliser la virgule donc la virgule permet de mettre tous les éléments qui sont dans la matrice côte à côte donc, la ligne du dessous va se retrouver à côté, etc. Donc, on aura un grand vecteur de 36 éléments. Et donc, il suffit de faire la somme de ce vecteur-là. Alors, là, je pense que vous pouvez deviner ce que fait cette commande. Donc, ici, on a le symétrique. Donc, le symétrique de data 1, ça va être également une matrice 6,6. Mais le 2 va se retrouver ici. Et le 1 va se retrouver de l'autre côté. Donc, on lui demande est-ce qu'il y a des éléments qui sont égaux une fois que j'ai retourné ma matrice. Donc si vous observez bien, vous avez ici une matrice qui elle-même est symétrique. Alors par exemple, les 4 que l'on voit ici, ça correspond au 3 et son miroir de l'autre côté, au 2 et son miroir de l'autre côté. On a dit que pour compter en ligne, il suffisait de mettre une réduction avec le plus. Si vous voulez compter en colonne, donc ça c'est possible, on fait la réduction avec plus, mais en utilisant ce symbole-là. Donc là on va retrouver 1, 1, 2, etc. Alors un dernier exemple où j'ai utilisé cette fois-ci le produit extérieur avec supérieur ou égal entre data 1 et data 2 et où j'ai fait deux réductions. Alors par exemple, pourquoi il y a un 24 ici Donc là on est à un niveau assez abstrait, puisque il faut prendre les éléments de data 1. Data1 c'est une matrice. Donc pour chacun des éléments, donc c'est 36 éléments on va faire une comparaison avec l'autre matrice, donc data2. Donc pour vous montrer que c'est assez horrible, je vais écrire data1, rond point supérieur ou égal, data2. Donc je me retrouve avec toutes ces matrices, où par exemple la première va prendre donc le premier élément de data1, c'est-à-dire le 1 qui est là. Et il va regarder s'il est supérieur ou égal à tous les éléments de data2. Donc on va se retrouver avec est-ce que 1 est supérieur ou égal à 1 La réponse est oui. Est-ce qu'il est supérieur ou égal à 3 La réponse est non. Pour la seconde matrice où il n'y a que des 1, il a comparé le 3 qui est ici avec tout cela. Donc forcément, 3 est supérieur ou égal à cela, puisqu'on ne dépasse pas 3. Donc c'est tout le temps vrai. Ensuite, il fera avec 2 avec 2. Donc, on va se retrouver avec deux matrices identiques. Ensuite, un 3. Donc, c'est à nouveau la matrice avec les 1. Et on continue comme ça avec donc, les 36 matrices. Donc, pour chacune de ces 36 matrices, on va les réduire une première fois, une deuxième fois. Donc, on aura la somme des lignes et ensuite la somme du vecteur. Et il va mettre ça dans cette nouvelle matrice. Donc, concrètement, le 24 nous dit que le 2 qui est là. Est supérieure ou égale à 24 éléments de ce tableau-là. Alors, exercice sur les années bissextiles. Donc, là, on a un extrait de Wikipédia qui nous rappelle la définition d'une année bissextile. Donc, il faut qu'elle soit divisible par 4, mais pas divisible par 100. Mais elle est quand même bissextile si elle est divisible par 400. Donc, par exemple, 2008, c'est divisible par 4, c'est pas divisible par 100, c'est une année bissextile. Par contre, 1900, c'est divisible par 4, mais c'est aussi divisible par 100. Donc ça, ça ne marche pas. Et l'année n'est pas divisible par 400. Donc cette règle-là n'est pas non plus respectée. Donc l'année 1900 n'était pas une année bissextile. Par contre, l'an 2000 ne vérifiait pas la première règle, puisque ça se divise par 4 et ça se divise par 100, mais elle se divise par 400. Donc une façon de voir les choses, c'est de dire qu'une année bissextile, si elle se divise par 4, pas par 100, pas par 400, ou alors, bah, elle se divise par 400 et donc forcément elle va se diviser par 100 et va se diviser par 4. Alors une solution un peu tordue pour savoir si on est dans un de ces cas-là, c'est de faire une réduction en utilisant différent. Donc par exemple, si je le fais avec 1, 1, 1, ça veut dire, est-ce que 1 est différent de 1 Donc là la réponse est non. Est-ce que 1 est différent de 0 La réponse est oui. Donc la réponse finale ça sera vrai. Pour celui-ci, entre les deux, je vais obtenir 1, puisque 0 est différent de 1. 0 est différent de 1, donc je vais également obtenir 1. Et on pourrait vérifier que pour tous les autres cas, on obtiendrait 0. Donc ça, ça peut être un critère pour savoir si l'année est bisextile. Une première solution serait cette écriture, donc on va expliquer, qui va nous renvoyer 0, donc qui dit que 1900 n'est pas bisextile. 2000 bissextiles, 2001 pas bissextiles, 2020 bissextiles. Alors on retrouve ici le produit extérieur de 400, 100 et 4 avec le oméga, donc avec le vecteur qui est là. Donc si on fait le produit extérieur de ces trois éléments-là par les quatre années, on aura bien une matrice de 3 lignes et de 4 colonnes. Et ici on cherche le reste de la division du terme qui est là par celui qui est à gauche. Donc par exemple le premier, 1900, si je le divise par 400, donc il y va 4 fois et il va rester 300. Donc ça me donne le 300 qui est ici. Si maintenant le 0, je le compare avec cette matrice, il va me mettre un 0 ici puisque 0 n'est pas égal à 300. Par contre, 0 est égal à 0, 0 est égal à 0, donc il va me mettre des 1. Donc on a cette matrice logique. Soit on termine avec la réduction en utilisant différents. ou alors ici, on pourrait se dire. C'est une année bissextile quand la somme donne 1 ou 3. Donc en fait, quand j'ai un nombre impair, et on peut voir que quand la somme est paire, ce n'est pas une année bissextile. Donc il faudrait réussir à faire la somme des différentes colonnes. Donc là, ça fait 2, là, ça fait 0, donc on n'aura pas des années bissextiles. Là, ça fait 3 et 1, ce seront des années bissextiles. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On va faire la réduction en utilisant donc ce symbole. Et là, j'aurai bien le 2, le 3, le 0 et le 1. Alors, comment obtenir des 0 ou des 1 Eh bien, c'est le reste de ce vecteur quand je le divise par 2. Si je divise 2 par 2, le reste c'est 0. Si je divise ça par 2, le reste c'est 1, 0 et 1. Donc, une autre formule, ce serait de regarder le reste de la division par 2, de la somme des colonnes, où on a pris uniquement les éléments qui étaient égaux à 0. Donc, autre exemple avec les nombres premiers. Donc, un nombre premier, c'est un nombre qui admet uniquement deux diviseurs. Donc, par exemple, est-ce que 17 est premier donc une idée serait de regarder les restes des divisions de 17 par tous les nombres entre 1 et 17. Donc comment on fait ça On va générer le vecteur Iota 17, donc 1, 2 jusqu'à 17, et on va regarder les restes quand on l'applique à 17. Donc si je fais 17 divisé par 1, bah ça tombe juste, donc le reste vaut 0. 17 divisé par 2, il va rester 1. On a tous les restes jusqu'à 17 divisé par 17 où le reste vaut 0. Donc le nombre sera premier quand il y aura deux diviseurs, c'est-à-dire qu'il y aura deux zéros. Alors comment savoir combien il y a de zéros Eh bien on peut utiliser le produit intérieur. Donc on va déjà commencer par regarder est-ce que 0 est égal à ce vecteur. Donc là il va nous répondre c'est vrai, c'est faux. Donc on aura tout un tas de zéros ici et un 1 à la fin. Et ensuite, on va faire la réduction avec le plus. Donc quelle est la somme de ce vecteur La réponse est 2. Donc ça signifie que 17 est premier. Et on peut maintenant écrire notre fonction dans le cas général. Donc si on l'appelle prom, avec oméga le paramètre qui sera à droite, on regarde tous les restes, on les compte et on compare à 2. Et je vous mets ici la version où les oméga ont disparu. Là j'ai rajouté deux petits points, ça permettra d'appliquer prom à un vecteur de nombres. Donc par exemple, prom 17, 25, 131, il nous met un 1 quand le nombre est premier et 0 sinon. Est-ce que maintenant on pourrait trouver une fonction qui nous renvoie la liste des nombres premiers jusqu'à un certain rang Par exemple, prom100, il nous renvoie tous les nombres premiers jusqu'à 100. Alors une solution serait de regarder toutes les multiplications possibles. Donc par exemple, si je cherche tous les nombres premiers qui sont plus petits que 7, je vais partir de iota 7, donc 1, 2, 'à 7. Cette notation on l'a vu dans la vidéo précédente, ça veut dire oublier le premier élément. Donc là j'oublie le 1. Donc on va partir de 2 jusqu'à 7. Je mémorise ça dans r et je vais faire tous les produits possibles entre r et r. C'est à-dire que ici en colonne j'ai 2, 3 jusqu'à 7 et en colonne également de 2 à 7. Donc à l'intersection, j'ai ici le 2 x 2, et par exemple ici le 5 x 4. Quel est le rapport avec les nombres premiers Eh bien ce sont ceux entre 2 et 7 qui ne sont pas dans ce tableau. Donc si on regarde, il n'y a pas le 2, il n'y a pas de 3, il n'y a pas de 5, et il n'y a pas de 7. Ces nombres-là ne peuvent pas s'écrire comme le produit d'un nombre plus grand que 2 par un nombre plus grand que 2. Donc là on a presque fini. J'ai ici la matrice, donc qui est là, et je vais pour chacun des chiffres entre 2 et 7, regardez est-ce qu'il est quelque part dans cette matrice, est-ce qu'il appartient à cette matrice. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de trouver ceux qui ne sont pas dans la matrice. Donc, on met la négation devant. Donc là, il va nous renvoyer un vecteur logique. Ici, on a le premier élément, 2, 3, jusqu'à 7. Donc, dit autrement, le 2 était absent, le 3 absent, le 5 et le 7. Donc on a le vecteur qui va permettre de masquer les éléments de R. Donc voilà un programme possible. On génère avec iota les nombres qui vont de 2 jusqu'à, disons, grand N. On effectue tous les produits possibles et on enlève ceux qui ne sont pas dans ce tableau-là. Donc ce vecteur logique va permettre de masquer les éléments de N et donc d'aller enlever certains de ces éléments. Alors bien entendu, c'est pas très optimisé puisque vous voyez les calculs qu'on doit faire, si on demande les nombres premiers jusqu'à 10 000, il doit faire un tableau 10 000 fois 10 000. Mais en tout cas, ça fonctionne. Donc par exemple, premier 100, eh bien il vous renvoie à la liste des nombres premiers plus petits que 100. Alors pour terminer cette vidéo, je vous montre ce site donc, qui donne tout un tas d'exemples et qui permet de rechercher des informations. Donc par exemple, si j'écris prime donc, pour les nombres premiers on va retrouver des petits programmes qui permettent de savoir si un nombre est premier, la liste des nombres premiers jusqu'à J. Donc J, ça va être un entier ici. Donc voilà, on a une autre version ici. De la même façon, si j'écris CSV, on peut importer des tableaux Excel, les transformer en matrice APL et travailler dessus. Et si vous voulez trouver tout un tas d'exercices amusants, je vous conseille le concours qui est organisé depuis pas mal d'années par Dialogue. Donc dans la phase 1, vous avez 10 exercices à résoudre, et dans la phase 2, ce sont des problèmes, donc plus compliqués, mais vous pouvez être le grand gagnant. Voilà, bonne continuation avec ce langage, et je vous dis à bientôt.